Je me réveille ce matin. Fatigué du sport d'hier, j'ai les jambes lourdes. Il faut que j'aille au taf. J'ai la flemme d'aller au bureau. Je pourrais rester chez moi, je peux télétravailler. Mais c'est un nouveau job, je dois me sociabiliser. Je me lave les dents, j'ai l'air crevé. Beaucoup d'hésitation, mais au final, je me déterre, je prends une douche et j'y vais. 15 minutes de vélo, il y a du monde. Je me tape tous les feux. Je longe un canal et j'arrive au taf. Je pense déjà au run de ce soir. J'ai la flemme. J'ai couru il y a deux jours. J'ai les jambes lourdes. La journée passe et je sens qu'il arrive. Je sais qu'il arrive. De toute façon, il arrive tous les jours. Ça y est. Il est là. Ce game mental. Cette bataille intérieure. Celle qui oppose ma motivation et les excuses. Celle de chiller après le taf ou d'aller courir. Cherche des excuses, je suis fatigué. J'ai mal dormi, je vais finir tard. J'en ai fini, je rentre chez moi. Vélo sur le chemin du retour, j'ai les jambes lourdes. Le game recommence. Ce combat interne entre la flemme et l'envie d'y aller. J'ai tranché, j'irai courir demain. Je vais rentrer et me poser sur mon canapé. Et puis de toute façon, j'ai pas d'obligation. Dernier feu rouge, j'arrive bientôt. Vélo accroché, je suis chez moi. Je traverse la rue, j'ai les jambes lourdes. Le game recommence. Sauf que cette fois, je le débranche. Je claque la porte, running au pied, je suis dehors. Je commence à courir. J'ai gagné, encore et encore. Et demain, le game recommence.